Bonjour tout le monde, enfin rebonjour pour ceux qui étaient là présents à la conférence d'ouverture. Donc on va parler Smart Industry, Industrie 4.0, Industrie du futur. Plusieurs noms sont donnés à tous ces mêmes usages et ces mêmes catégories de secteurs. On a la chance d'avoir Stéphane Mangana qui était présent à la première conférence, Aurore Pasquier qui fait partie de Team Henri Fabre et qui aussi dans la commission Made in Soft, Team Henri Fabre sur l'industrie 4.0. Et donc qui représente Sylvain qui la pilote au global. On a Patrick de la ville d'Istres, qui est élu à l'économie et à l'innovation, mais qui a un fort passé dans l'industrie sur le territoire d'Istres. On va essayer d'aborder un peu toutes les perspectives, les sujets qui vont arriver dans les semaines, et puis faire un petit focus effectivement par rapport à l'IoT. On en a un petit peu parlé pendant la conférence d'ouverture, mais là on va développer un peu plus de sujets par rapport à ça, et notamment la Smart Industry. Je pense qu'on va commencer par Stéphane, parce que comme vous venez de remporter un marché pour la relance économique, est-ce que tu peux nous faire un petit focus? Oui, alors en 2020, enfin bonjour à tous déjà. En 2020, on avait déposé un programme sur les programmes d'investissement d'avenir, un dossier de plateforme régionale d'accélération industrie du futur. Donc c'est un programme qui est national. Donc il y a plusieurs plateformes qui sont prévues en France. Le but de ces plateformes, c'est de permettre d'accélérer l'intégration de l'industrie du futur dans les entreprises et notamment dans dans l'industrie. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment au début d'une quatrième révolution industrielle. Pour rappel, la première, c'était la machine à vapeur. Ensuite, c'était l'électricité. Après, on a eu le début des ordinateurs, de la robotique et de l'automatique. Et puis maintenant, le numérique, il intègre en fait l'ensemble des processus de l'entreprise, de la production au pilotage de l'entreprise, à l'optimisation de l'entreprise. Et donc, on est en train de vivre effectivement cette quatrième révolution industrielle. Et il est important finalement pour que les entreprises restent compétitives, soient finalement et qu'elles puissent être devant en termes de marché, qu'elles intègrent finalement ces nouvelles technologies. Alors, on a des entreprises qui souvent sont des PME, voire des TPE en France. Et il faut absolument qu'on puisse les aider à intégrer finalement ce qu'est l'industrie du futur. Et donc l'objectif finalement de ces plateformes régionales, on a reçu le courrier là, des services du Premier ministre en juin. Donc on va pouvoir démarrer la plateforme et le développement de la plateforme. Ça va être de pouvoir sensibiliser les entreprises à travers des cas d'usage d'offreurs de solutions qui sont parmi vous hein, ou parmi ceux qui font leur présentation ici sur le salon, pour pouvoir présenter effectivement les technologies, les usages, l'intérêt finalement et le business case pour l'entreprise, et puis ensuite les aider à intégrer finalement, ou à pouvoir tester même quand c'est possible, et les aider à intégrer la technologie ensuite dans leur processus, dans leur entreprise. Donc c'est une vraie liaison par rapport déjà au programme avec Rising Sud sur Sud Industrie qui était déjà de les accompagner on va dire, Ouais. à l'innovation. Tout à fait. Alors, la partie, donc le parcours Sud Industrie 4.0, qui est un parcours qui est financé par la région et par l'État, qui est porté par Industrie Méditerranée et que Team Henri Femme pilote sur le plan technique. Nous, on fait l'appairage en fait entre les consultants, les structures qui vont ensuite, à partir d'un diagnostic, qui vont ensuite accompagner pour pouvoir mettre en œuvre une première brique, une première solution. Là, on est sur finalement un complément où on va pouvoir sensibiliser en permettant aux industriels de toucher du doigt, de venir tester
vraiment ce qu'est le numérique, ce qu'est l'industrie du futur, pour pouvoir ensuite plus facilement l'intégrer. Un des biais parfois, c'est que le chef d'entreprise, il peut avoir une idée préconçue de ce que c'est que l'industrie du futur, ou vouloir partir sur un projet. Et finalement, il est important qu'il ait une vision globale de ce qu'est l'industrie du futur pour pouvoir vraiment choisir dès le début les premières briques technologiques qui vont lui faire le plus de gains possible dès le départ. Et pas partir sur une techno ou une autre parce qu'effectivement, il en a entendu parler, mais bien le rattacher à son business et faire en sorte que ce soit un vrai gain en termes de productivité pour lui, ou en termes de positionnement, ou en termes d'évolution de son modèle économique, de son marché, de son positionnement par rapport de son offre par rapport au marché. D'accord, très bien. Donc on a aussi Dominique Palacci hein, qui est à distance aussi, qui interviendra après. Patrick, qui est un partenaire d'ailleurs de voilà, la plateforme. Qui est un partenaire Team Henri Fabre. Patrick, donc avec ton passé, on va dire, industriel et avec ce que tu fais aujourd'hui sur le territoire d'Istres, est-ce que tu peux nous donner un peu un focus des différentes typologies, on va dire, d'industrie et typologies d'usage, on va dire, en tout cas d'avancée en numérisation voilà, comment ça se positionne un petit peu? Oui, alors moi je vais vous parler essentiellement du domaine industriel que je connais le mieux, puisque j'y ai travaillé 37 ans, c'est l'industrie lourde, la pétrochimie en particulier, mais qu'on peut rassocier à la métallurgie et aussi au pétrole, au raffinage, hein, on va retrouver les mêmes types d'applications. Dans cette industrie, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur procédé, fabrication, et j'ai fini ma carrière sur un poste de sécurité, prévention risque majeur et sûreté. Et à travers donc, ces différentes étapes, je peux voir aujourd'hui le lien qu'on peut faire avec la quatrième révolution industrielle et cette industrie qui n'y est pas encore vraiment rentrée. Il y a un premier enjeu pour l'industrie, une industrie de procédés qui sont des industries qui en général consomment beaucoup d'énergie et des matières premières et pour lesquelles les marges sont parfois réduites, et donc on va retrouver de la compétitivité en optimisant les rendements et la fiabilité des unités. C'est là qu'on va pouvoir gagner la compétition de la compétitivité. La première application que je vois, moi, c'est tout ce qui est conduite du procédé. Aujourd'hui, on est sur des systèmes de conduite centralisée avec un petit peu d'optimisation, avec des algorithmes basiques dans les systèmes de conduite. Voilà. Moi, je vois bien la capacité que pourrait avoir une intelligence artificielle, les algorithmes d'IA associés au big data qui sont composés de l'ensemble des données récupérées par les capteurs des unités pour accompagner les opérateurs dans l'optimisation de la conduite du procédé, à optimiser les réglages des appareils, des colonnes à distiller, gagner de l'énergie, gagner de la vapeur. Là, il y a un travail qui est, à mon avis, très important, qui pourrait être fait et apporté par l'industrie 4.0 et le numérique dans ce type d'activité. Ça peut aussi avoir un lien dans l'alerte aux dérives qui peuvent conduire derrière ensuite à des potentiels accidents industriels aussi, où l'IA pourrait avoir une capacité à encore mieux anticiper que l'opérateur les dérives potentielles du procédé. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un secteur à défricher avec les capteurs qui vont avec, parce que c'est une industrie très traditionnelle où on est resté sur du capteur filaire. Il faut un lien physique entre le capteur dans l'unité et les cartes de contrôle qui sont dans les locaux techniques. On n'aime pas trop ce qui communique en Wi-Fi et encore moins en réseau LoRa. Donc là, il y aura aussi un travail à faire avec les techniciens des services informatiques industriels et les instrumentistes régulation des unités pour aller les voir et travailler avec eux pour les développements futurs. Le deuxième sujet que je vois, c'est la maintenance prédictive. Alors, ce sont des unités souvent où on a de très grosses machines tournantes, des compresseurs, des grosses machines à froid. Ce sont des machines qui coûtent parfois plusieurs millions d'euros, pour lesquelles la maintenance aujourd'hui est essentiellement préventive, donc avec des arrêts préprogrammés, un suivi vibratoire par exemple, bon, sur lequel on peut faire de la prédiction, mais c'est pas très élaboré non plus parce qu'il n'y a pas d'algorithme derrière. Donc sur ces domaines-là, on peut, avec la maintenance prédictive, optimiser les arrêts préventifs et surtout éviter les casses
et la maintenance curative qui pourrait, pour certaines unités, occasionner des dizaines de millions d'euros de pertes de production. Donc là, sur la maintenance prédictive aussi, il y a des choses à faire. Ça permettrait d'optimiser ce secteur d'activité de l'industrie. Le troisième domaine où je vois des applications, c'est la sûreté. Ça, ça a été des choses qui sont venues sur le devant de la scène dans les années 2015, hein, avec les problématiques d'attentats. Ce sont en général des sites qui sont très grands. Moi, le site où je travaillais chez Kemwan, on avait 4 km de clôture périmétrique. Et donc, on s'était posé la question de voir quelles avancées technologiques on pourrait obtenir avec ces nouvelles technologies pour améliorer la surveillance du site, améliorer la détection d'intrus potentiels, les systèmes d'alerte aussi derrière. Donc là, on est encore sur de la ronde humaine en périmétrie et des systèmes basiques de talki, de téléphone. Donc on n'est pas sur de la très haute technologie. Et là, on pense qu'on pourrait aussi avoir des avancées, par exemple avec des surveillances par drone, des choses qui pourraient permettre d'optimiser grandement la surveillance des sites. Et le quatrième dernier domaine auquel je pense, c'est la sécurité des personnes, des opérateurs. J'ai vu en travaillant un peu avec le Pôle Safe des développements futurs d'opérateurs augmentés, donc des gens sur lesquels on pourrait avoir, par exemple dans les visières du casque, des informations qui s'affichent sur les modes opératoires, sur les paramètres des unités pendant qu'on fait les rondes à l'extérieur, des capteurs de sécurité aussi sur les chaussures de sécurité. Et y compris, quelqu'un avait proposé une technologie de capteur physique, rythme cardiaque, tension artérielle, associée à des algorithmes d'IA qui permettraient d'évaluer le niveau de stress de l'opérateur et éventuellement lui donner l'information qu'il faut qu'il rentre en salle de contrôle, qu'il ne reste pas dans l'unité. Donc là, on peut aller assez loin aussi sur la partie sécurité. Donc on s'aperçoit qu'il y a plein de développements et l'intérêt au niveau économique aussi, c'est que ces développements, ils vont emmener avec eux tout un tas d'entreprises, de start-up innovantes, de PME qui fabriquent ces technologies, qui pourront devenir des co-traitants de cette industrie lourde dans laquelle aujourd'hui ils sont pratiquement absents. Et donc au niveau de la relance économique de notre territoire, c'est quelque chose qui pourrait être aussi un facteur d'accélération et donc sur lequel il faudra, je pense, aller à la pêche et aller vendre cette industrie 4.0 auprès de ces industriels-là pour les convaincre de rentrer dans le 21e siècle de l'industrie. Merci Patrick pour ce focus très métier mais qui donne une vision globale des points d'apport du digital et de l'innovation au sens large du terme, hein, parce que maintenant parler de digital ça réduit souvent, tu as parlé de différents sujets qui sont très larges et c'est surtout de l'innovation. Ça va être un des sujets de la commission Made in Soft, Thierry Fab, sur l'industrie 4.0, c'est d'accompagner, d'avoir cette liaison entre les acteurs, on va dire, industriels que vous animez au quotidien avec Thierry Fab et, on va dire, les entreprises que anime plus régulièrement Made in Soft, et qui sont plus du côté numérique et autres pour pouvoir offrir des prestations de services et des solutions. Effectivement, en fait, la commission industrie 4.0 de Made in Soft, en fait, c'est le pendant déjà de ce que l'on fait nous d'un point de vue Thierry Fabre associatif, hein, donc de mettre en relation des grands groupes, des TPE, des PME sur des sujets technologiques. On est très content que l'équipe de Stéphanie nous fasse confiance, hein, pour cette commission. Stéphane en a parlé en conférence d'introduction tout à l'heure, mais la commission est toute récente puisqu'elle a été inaugurée le 15 juin dernier. Donc voilà, on a pu avoir le plaisir de faire une inauguration en présentiel Technocentre Henri Fabre. Cette commission est présidée par Sylvain Gras, donc, que je représente aujourd'hui en tant que vice-présidente. Et le but vraiment de cette commission, c'est encore une fois de mettre en relation des grands groupes, des PME, des TPE sur des sujets technologiques. Je vais faire écho à ce qu'a dit Monsieur Grimaldi, mais un des premiers sujets sur lesquels on va travailler, c'est la maintenance prédictive. Voilà, si on fait le comparatif avec une étude de McKinsey, donc au niveau mondial, mais c'est 650 milliards d'euros d'économies potentielles si les entreprises aujourd'hui passent le step de la maintenance prédictive et anticipent évidemment les pannes, les arrêts, etc. Donc le premier groupe de travail qu'on a fait là, le 15 juin dernier, c'était d'écouter, d'étudier les besoins des grands groupes industriels. On avait notamment autour de table la CNIM, la SNCF, Hutchinson, Airbus, etc. Donc d'écouter vraiment leurs besoins,
qu'est-ce qu'ils entendent par maintenance prédictive, qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur notre territoire et sur l'industrie de façon générale en France. Et puis, la suite de cette commission, bien sûr, maintenant, ça va être aussi de travailler sur leurs besoins avec des offreurs de solutions de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc là, on va mettre en relation des partenaires, on va travailler avec l'écosystème, effectivement, du numérique de Made in Soft, mais aussi avec les écosystèmes de nos partenaires, puisque le but de cette commission aussi, c'est d'être en partenariat avec l'ensemble des écosystèmes industriels de la région, mais je pense notamment au pôle ACS qui était présent tout à l'heure, et qui va porter le Digital Innovation Hub, mais aussi avec les équipes de Rising Sud, avec de la région qui travaille sur Parcoursup Industrie. Donc le but vraiment, c'est de travailler en collaboratif, de mener des actions. Donc la prochaine étape, c'est de maintenant répondre aux besoins de ces grands groupes industriels avec des offreurs de solutions, avec des PME, des TPE de notre région. Et puis il va y avoir des animations. Je pense bien sûr au Business et dans le Pré, qui est un événement que l'on porte et qui va avoir lieu sur Aix-en-Provence le 14 septembre prochain, sur lequel on va justement avoir des villages dédiés à l'industrie, on va avoir des stands, on va avoir des rencontres B2B. Et puis il va y avoir des morning café. Le prochain sera justement à la Coque ici en septembre, fin septembre ou début octobre. Voilà. Donc le but, c'est d'avoir sur une première année de rythmer ce calendrier par des actions concrètes, et de travailler sur un premier sujet, donc qui serait la maintenance prédictive. Merci. Donc on va parler de différents sujets. On parlait d'offreurs de solutions. On a Dominique Palacci à distance. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, ta solution quand même, qui est très 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 innovante, hein, on va dire, ça se rencontre pas tous les jours. Voilà, si tu peux nous faire un petit point sur tout ça. Avec plaisir. Déjà, merci de l'invitation. Désolé de ne pas être parmi vous et de me nicher dans la coque, mais je suis coincé ici à Toulon pour des rendez-vous business, donc voilà. Mais alors, nous, on a développé une nouvelle technologie à base de signaux ultrasons qui permet de transférer de la donnée donc sans ondes radio. Et donc, c'est particulièrement pertinent dans les milieux industriels contraints, tout ce qui est explosif, humide, métallique, électrosensible, où les ondes radio, ils aiment pas trop, où ça marche pas. Et là, on a une alternative qui permet de faire du sans fil. Donc, vous parliez justement du filaire, hein, où l'industrie est très accrochée à ça. L'ultrason va permettre de faire de la communication sans fil et remplacer le filaire, ce qui est souvent un problème. Ce que je vois moi comme problématique par rapport aux IoT, c'est que on a une poussée énorme des objets connectés. On estime qu'en 2025, il y en aura 50 milliards dans le monde. Ils n'auront pas tous de la connexion. On parle de la 5G, mais ça marche pas partout. Il y a pas mal de zones blanches. Donc là, notre technologie ultrason a son intérêt, parce que elle va permettre de bouger les trous. Et ça, c'est important. Et ce que je vois aussi, c'est la consommation et l'impact énergétique de tous ces IoT. On estime que c'est à peu près 25% d'impact écologique avec la consommation des IoT, là où c'était 1% en 2020. Donc c'est absolument énorme. On a une estimation de 11% quand on est en veille. Donc nous, on a travaillé sur un interrupteur ultrason qui permet d'éteindre l'IoT et de le rallumer quand on en a besoin, ce qui fait qu'on va économiser cette énergie dépensée et gâchée sur les 11% de consommation. C'est toujours une petite participation pour éviter l'impact climatique des IoT. Voilà, donc nous, on travaille avec le nucléaire, avec de la signature de procédure et du transfert de mesures, avec le Naval, ici à Toulon, avec Naval Group, pour de la géolocalisation des ouvriers dans les chantiers sous-marins. On parlait de sécurité, voilà, on est en plein dedans. Savoir où sont les gens à tout moment pour pouvoir intervenir s'il y a nécessité. Et on fait aussi de la mesure. Donc avec Orano, on a fait un système de mesure d'épaisseur de cuve. Et c'est un des premiers qui utilise notre dispositif d'interrupteur ultrason, puisqu'on peut l'interroger à distance, l'éteindre complètement et l'allumer quand on en a besoin. Et comme ils font pas des mesures toutes les 5 minutes, il a une grande chance de durer une dizaine d'années. Voilà.
voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Très bien, Dominique. Bon, c'est, bon, Patrick en parlait un peu, hein, du fait du développement de la radio. C'est vrai que dans des univers type le nucléaire, effectivement, il vaut mieux éviter certains usages pour éviter de faire des dégâts. On a la chance de l'avoir, d'avoir un acteur fort français sur des... Est-ce que tu as de la concurrence c'est des sujets qui sont portés par d'autres territoires. Heureusement. Oui, heureusement, s'il n'y avait pas de concurrence, il n'y aurait pas de marché. C'est ça. on est une dizaine d'entreprises dans le monde à travailler sur ces technologies ultrasons. Il se trouve que Orange Lab à Rennes a fait un benchmark pendant 2 ans. Ils nous ont sélectionné, nous, parce qu'ils ont estimé qu'on était la plus robuste et la plus fiable. Et donc, on a un gros concurrent aux États-Unis qui s'appelle Listener, mais qui est plus en communication de proximité. On a un Israélien qui s'appelle Sonarax. On avait JIRP en Angleterre, mais ils ont été rachetés par Sonos. Et donc, ils vont faire des choses avec les enceintes. Et on a un concurrent en France qui s'appelle Copsonic, qui lui est plus sur uniquement l'autorisation de paiement. Voilà. Nous, on a une techno qui fait du multiplexage, qui va jusqu'à une centaine de mètres. Ce qui fait que ça ouvre très largement les possibles et que on est dans beaucoup d'usages. Ouais, on est sur la mobilité, on va dire interne, mais aussi au-delà de, on va dire du hangar, de la partie usine, et on peut avoir de l'usage de proximité. Vraiment, c'est de la mixité entre de la radio, entre du Wi-Fi, de la radio, on va dire locale, quoi. Oui, c'est une autre façon de faire. On transporte la communication dans un autre sujet, ce qui fait que quand il y a trop d'ondes radio et que ça se bouffe l'un l'autre, là, avec l'ultrason, on est totalement neutre et on dérange personne. Voilà. Et on a des sujets notamment très sécurisés avec l'armée sur ce qu'on a appelé la communication en mode silence radio. Voilà, donc là on n'est pas détecté, on peut pas nous pirater parce que c'est en local. Donc voilà, il y a vraiment des sujets très très différents, ce qui est amusant avec cette technologie. Ah, très bien, Dominique. Stéphane, des structures comme celle-ci que vous animez, il y en a de nombreuses. Est-ce qu'il y a d'autres, enfin, en termes de vision, de pépites par rapport à notre territoire, par rapport à ce développement de l'IoT et, est-ce que tu penses qu'on est plutôt bien couvert? Tu veux dire en offrant nos solutions? Ouais. Globalement, oui. Hein. Enfin, je l'ai dit en introduction. On a à la fois des développeurs de plateformes, on a des gens qui font aussi de l'hébergement. Tu as parlé aussi à un moment donné de Jaguar Network. On a des offreurs de solutions en termes de capteurs. On a des gens qui développent aussi des capteurs, qui intègrent aussi de l'IA à l'intérieur des capteurs. Donc le territoire, il est très riche. Après, ce qu'il faut avoir, c'est effectivement des cas d'usage, des cas qui se tiennent effectivement sur le plan du business, qui vont permettre, sur les différentes solutions, effectivement, qui vont permettre de faire évoluer l'industrie, on va dire, lourde ou traditionnelle. Effectivement, ça va être optimiser les énergies, ça va être optimiser la production, améliorer la qualité, améliorer la maintenance. Et tout ça, finalement, ça concourt à de la productivité. Et donc, à chaque fois qu'on est sur des cas d'usage comme ça, on sait qu'effectivement, on est rentable sur les solutions qu'on va mettre en œuvre. Après, je ne mettrai pas en opposition le sans fil ou avec fil, tout ça. Ça, je pense qu'avec la maturité, effectivement, quand on a des capteurs qui sont disponibles, l'idée, c'est déjà d'exploiter, effectivement, pour le procédé, mais aussi de dériver, l'utilisation de ces données vers, par exemple, de la maintenance prédictive ou vers de l'optimisation énergétique. Aujourd'hui, en fait, on a plein d'usines qui ont plein de capteurs, surtout sur des industries de procédés. Par contre, on les sous-utilise aujourd'hui. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser ces gisements-là pour pouvoir aller plus loin sur de l'optimisation énergie, maintenance, production, qualité, etc. etc. Et après, effectivement, on peut rajouter
sur des systèmes qui sont mobiles à l'intérieur de l'usine, sur des systèmes qui sont difficilement accessibles, sur des problématiques de sûreté. Là, dans ces cas-là, des capteurs, effectivement, en sans fil ou qui peuvent communiquer différemment et du coup, qui deviennent pertinents parce que, justement, ils sont sans fil ou parce qu'ils communiquent dans un environnement avec des ondes radio et que, dans ces cas-là, les ultrasons sont plus pertinents, etc. etc. Donc, au final, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et on a une richesse d'offreurs de solutions. Quand même sur ce territoire hein, de Arles à Nice, en passant par Aix, Toulon, Marseille, il y a plein d'endroits où il y a des offrandes de solutions dans le numérique. Il faut arriver à les faire connaître, il faut arriver à les intégrer. Après aussi, une des problématiques, c'est que parfois chez les donneurs d'ordre, c'est moins vrai chez les PME, mais chez les donneurs d'ordre, c'est d'arriver à intégrer ensuite une PME, une TPE, une start-up. En termes de solutions, il y a parfois quelques barrières au niveau achat. Et donc là, il faut travailler effectivement. Certains y travaillent d'ailleurs. Hein, on a des entreprises comme Thales, par exemple, pour en avoir discuté avec eux, qui ont des systèmes d'achat prévus pour les startups, pour pouvoir intégrer des solutions comme ça. Parce que sinon, effectivement, sinon ils s'adressent à des gros. Et dans ces cas-là, il faut arriver à faire rentrer la start-up dans le fournisseur, ce qui n'est pas forcément facile. Ou alors, après, des fois, moi j'ai déjà vu des offrandes de solutions qui sont des grands groupes aussi, développer complètement une solution qu'ils avaient sur étagère dans l'écosystème. Et je leur dis, mais vous me présentez ça sur de la maintenance prédictive. Je dis, mais vous allez voir telle entreprise, ils ont directement la solution sur étagère. Donc ça, c'est aussi en termes de démarche sur l'innovation, ben, être ouvert, moi ce que je dis souvent aux donneurs d'ordre, ouvrez-vous sur l'extérieur, allez chercher les pépites en IA, en big data, en IoT. Il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui. Le tout, c'est finalement ce qui va faire que vous serez compétitif, c'est votre capacité à intégrer les solutions le plus rapidement possible pour finalement mettre en œuvre le plus vite possible la solution. Et on a encore, je pense, trop de réflexes à vouloir internaliser la compétence. Aujourd'hui, en fait, on est dans un schéma où finalement la compétence, elle est souvent dans les startups, dans les TPE, les PME. L'expertise, elle est ici. Et du coup, c'est plutôt la capacité à aller chercher des différentes briques technologiques, à monter la solution ensuite, qui va faire la performance ensuite du groupe demain, pas forcément l'intégrer, parce que dès que vous l'intégrez, moi je leur dis, vous allez intégrer un ingénieur en big data, il va faire plein de réunions internes, et au bout de 6 mois, il va être obsolète parce que il n'aura plus la capacité d'aller faire de la veille comme il peut le faire dans une PME ou une start-up. Donc branchez-vous sur les PME, branchez-vous sur les start-up. Aurore, en fait, c'est un peu ces sujets-là. On va dire que les industriels ont du mal à avoir cette vision-là parce qu'ils ne viennent pas de ce monde-là, clairement. Et puis, bon, on le voit, ça bouge énormément. Donc, ce n'est pas forcément évident non plus quand on est dans son métier. Donc, tous ces programmes et notamment la commission sont là pour créer cette connexion entre ces deux secteurs, traditionnels et plus innovants. Ce que fait Timor et Fab depuis des années. Là où on a l'impression que ça s'accélère. Ah oui, ça s'accélère, on le ressent nous dans les groupes de travail. Alors c'est sûr que c'est la mission de Timor et Fab avant tout, bien sûr, c'était d'organiser ces groupes de travail, d'animer ces réunions. Donc on a senti une accélération ces 3-4 dernières années. Et c'est pour ça d'ailleurs que Stéphane dit grand groupe, branchez-vous sur des startups, sur des PME, c'est parce que ça va très vite. Et pour éviter justement d'être obsolète, pour éviter d'avoir des solutions qui sont déjà connues depuis plusieurs années, etc., il faut aller se brancher là-dessus. La commission industrie 4.0, c'est encore une fois une accélération et encore une fois ça permet une visibilité de la part des offreurs de solutions, une visibilité pour nos grands groupes industriels et pour aider justement à ne pas être obsolète et à franchir ces steps le plus rapidement possible. Je sais aussi que cette commission, enfin pour l'avoir vu avec les différents événements qu'on a couverts avec le village francophone internationaux, notamment entre les ICC, les industries culturelles et créatives
et l'industrie 4.0, en fait, on se rend compte que les prestataires, les offreurs de solutions sont les mêmes, en fait. Ben, on a par exemple Editag hein, chez nous qui travaille à la fois pour le culturel mais aussi pour l'industrie, beaucoup plus dans l'industrie, mais ils ont quand même une part de leur chiffre d'affaires pour les musées, etc. Ce sont des mondes qui sont branchés, effectivement. Voilà, donc je pense que c'est vrai que ces connexions entre nos différents écosystèmes qui étaient très sectorisés ou très métiers, développeurs logiciels, développeurs de hard, développeurs de soft et autres, on voit qu'il y a un vrai intérêt à accélérer. Il y a aussi un vrai intérêt à travailler bon, avec les grands groupes, avec les PME et les TPE, qui ne sont pas toujours de manière identique, et notamment le côté grand groupe, l'intégration directe d'une start-up ou le passage avec un intégrateur. Tu parlais de Thales, mais on avait NetSystem à l'ouverture. Des intégrateurs, on les a un peu oubliés avec la French Tech, à l'arrivée du début de la French Tech, on a tout focusé sur les start-up. Pas qu'il faut jeter, mais c'est juste que les startups ne sont pas toujours prêtes à travailler directement avec des process de grands groupes. Et les intégrateurs sont la bonne passerelle, a toujours été la bonne passerelle, mais c'est vrai qu'on les a un peu, dans l'écosystème innovant, on les a un peu mis de côté ces dernières années, les grands groupes prenant des contacts directs avec les startups et vice-versa. Donc il faut prendre ces contacts pour avoir des idées et avancer, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. La ville d'Istres est très innovante, on le verra cet après-midi sur la partie Smart City, vous faites beaucoup, beaucoup de choses. Sur la partie industrie économique, est-ce que vous avez prévu des choses avec cette accélération de l'industrie 4.0 pour que le territoire aide ces entreprises aussi à avancer sur ces sujets-là? Est-ce que c'est des choses qui sont prévues dans les mois qui viennent? Oui, on a prévu des choses. Bon, on ne va pas tout révéler aujourd'hui dans le détail, mais globalement, on va avoir une structure sur Istres dans les prochains mois, un lieu dédié au développement économique et au numérique, donc qui sera un lieu de visibilité, de rassemblement, d'organisation d'événements aussi, qui permettra donc aux acteurs économiques du territoire, à la fois les PME qui sont regroupées sur Istres dans un club qui s'appelle le Club Open, mais aussi les créateurs d'entreprises avec l'initiative Ouest Provence et les acteurs économiques du territoire. Donc on va essayer de mettre en place une démarche de réflexion et d'organisation d'événementiel pour justement faire cette mise en contact entre le secteur des PME, le secteur des grands groupes, alors qui ne sont pas présents directement sur le territoire de la ville, mais qui sont sur le conseil des territoires métropolitains, puisqu'ils sont en particulier concentrés sur la zone de Fos-sur-Mer, mais géographiquement ils sont très proches de nous. Et donc l'intérêt, ça sera effectivement de créer localement ces liens et cette visibilité et ce lieu d'échange qui permettra aux grands groupes de prendre connaissance de ce qui se fait en matière d'innovation, de ce qui existe en matière d'offres d'innovation par rapport aux entreprises, que ce soit des start-up ou des PME, et d'encourager si possible des démarches un peu de pilotage au sein des industriels, de façon ensuite à généraliser un petit peu plus les applications. Là, on pourra s'appuyer sur, je pense, la plateforme Picto, donc, pour laquelle j'étais secrétaire et chef de projet il y a encore quelques mois, qui regroupe une quinzaine d'industriels de la zone de Fos, pour faire passer ce type de message à travers l'association, de façon à encourager ces phases de test et de pilotage qui permettront de faire connaître les enjeux. Je pense que les industriels ont bien pris la mesure que l'optimisation, la fiabilisation de leurs procédés, derrière, c'est des enjeux financiers énormes qui, de mon point de vue, sont sans commune mesure avec l'investissement qu'il faut mettre en œuvre en termes de techno. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est faire connaître, faire savoir que ça existe. Après, chez les industriels, il y a toujours des gens dans les services techniques et autres qui sont des curieux de nature et qui auront envie d'essayer, qui auront envie de tester. Et une fois qu'on aura mis cette démarche en route, je pense qu'on rentrera vraiment dans la phase de l'industrie 4.0. On aura pas moins de réticence et beaucoup plus de facilité à développer. Et donc la ville d'Istres va être, je pense, un des accélérateurs et un des moteurs à travers cette structure de développement économique pour cette future révolution industrielle. Oui, parce que c'est vrai que le territoire ouest, alors notre métropole est assez compliquée dans ses déplacements et dans ses spécificités, mais c'est vrai qu'on a un secteur ouest très développé en industrie, en logistique, en transport.
mais par contre, c'est plutôt eux qui se déplacent sur Aix et sur Marseille et pas l'inverse. Et c'est vrai que d'avoir un futur lieu de rencontre où Thierry Henry Fabre, tous les écosystèmes, Paul Essay vont pouvoir aller là-bas, ça va peut-être permettre aussi à ces industries d'être plus réactifs à ce qui se passe sur le territoire, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une frontière de l'innovation sur la métropole entre ce territoire et le reste. Non, enfin, je ne pense pas. Il n'y a pas de frontière. Enfin, moi, je fais partie du club de Ouest-Provence, je suis au conseil d'administration. On a déjà monté un premier PIA où on a travaillé avec le CFAI d'Istres et où on a plusieurs millions d'euros qui ont été investis sur le CFAI d'Istres. Et aujourd'hui, c'est une vitrine sur tout ce qui est industrie du futur. On a fait un événement il n'y a pas très longtemps sur l'impression 3D. Et sur la plateforme régionale d'accélération industrie du futur, ça va être aussi un des pôles. Donc en fait, il y aura, on va s'appuyer sur Istres, sur le CFAI. Il va y avoir le technocentre sur Marignane. On va s'appuyer aussi sur Aix-Marseille Université, sur l'ENSAM, sur Toulon. Et puis ensuite sur l'IMRED, sur Nice. Donc en fait, le but, c'est vraiment d'avoir des lieux différents où il y a effectivement alors des démonstrateurs industrie du futur qui sont différents. On n'a pas les mêmes moyens et heureusement, le but c'est pas de les dupliquer, mais par contre c'est d'avoir des lieux de proximité pour que les industriels, les PME, les TPE puissent aller voir et être sensibilisés à l'industrie du futur et ensuite qu'elles puissent être accompagnées par différents consultants, différentes structures qui vont les aider à intégrer, mais en fait, il faut vraiment mailler l'ensemble du territoire, parce que sinon, effectivement, ça serait perdu. Et sur l'innovation, enfin, c'est important, effectivement, d'aller chercher, même au-delà, à la limite de la région, hein, je le disais bien tout sûr. À l'heure, finalement, les offrandes de solutions, on regarde d'abord sur la région, après on regarde au niveau national, voire au niveau international, qui est à l'état de l'art, pour pouvoir, finalement, construire une solution qui soit la plus performante. Hein, donc, alors par contre, c'est important effectivement de connaître tous les bassins, tous les lieux effectivement d'innovation, tous les lieux d'échange, et puis les différentes pépites sur ce territoire pour pouvoir construire ensuite les projets. Ouais. Non, en tout cas, ça ouvre de belles perspectives pour le territoire ouest et puis pour l'industrie en particulier. Dominique, toi qui es à distance là. Étant offreur de solutions, qu'est-ce qui, tu es déjà accompagné et tout, mais qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu aimerais pour que ça se développe encore plus vite? Qu'est-ce qui manque en ce moment dans la connexion entre les entreprises et les offreurs de solutions ou les intégrateurs? Quelle est la vision d'une start-up? Nous, on a la chance d'être dans le accompagné dans System Factory, dans Toulon Var Technologie. La participation dans Team Henry Fab, c'est crucial pour nous parce que on est un ce qu'on appelle un technology provider. On ne peut fonctionner que si les gens intègrent notre technologie dans leur solution ou dans leur système. Donc, on a besoin d'un écosystème qui soit vivant. Ce que je vois aujourd'hui, malheureusement, c'est que les grands groupes, ils ont plutôt tendance à nous pousser à aller chercher des subventions. Ils ont compris qu'il y avait la région, l'Europe, voilà, on pouvait aller chercher des subventions sur des projets d'innovation. Et ça, je le regrette. Je trouve que l'Open Innovation, ça devrait être aussi le grand groupe qui investit et qui participe et qui nous passe des commandes. Parce que quelque part, nous, on est une entreprise, on a besoin d'avoir des commandes et des clients et pas d'aller chercher systématiquement des subventions comme c'est le sport un peu en ce moment. Donc ça, j'aimerais que ça bascule et que ça redevienne un vrai business et pas uniquement de la chasse aux subventions. Je suis entièrement d'accord. Alors nous, c'est vrai qu'on va chercher des subventions pour construire des projets de territoire, mais c'est vrai qu'avec le premier confinement, on a aussi la structure Innov6 et on a senti un coup d'arrêt de tous les projets d'innovation parce que c'était tous ceux qui étaient les plus faciles à arrêter finalement pour les grands groupes.
Et ensuite, effectivement, dire bah, vous devriez monter un projet en allant chercher de la subvention, parce que la subvention, elle est facile à obtenir en ce moment. Et je pense qu'il faut que ça s'arrête, c'est un biais quelque part. Et il faut qu'on reparte sur l'innovation et que les groupes comprennent aussi que finalement, c'est aussi une question de compétitivité pour eux, d'intégrer, de ne pas trop retarder finalement les projets d'innovation et l'intégration de ces projets d'innovation dans leurs produits ou dans leur offre. Donc il est temps effectivement que maintenant on reparte sur un système classique où les groupes investissent effectivement sur des projets. Le travers que peuvent avoir des fois certains groupes, c'est de faire juste des preuves de concept et de ne pas aller ensuite sur le déploiement à l'échelle complètement industrielle. Et donc des fois c'est aussi ce qui a freiné, c'est-à-dire qu'ils ont eu tendance à faire plein de petits POC, des preuves de concept, hein, et sans aller jusqu'au bout. Et puis du coup il y a un petit retour en arrière en disant attends, on va essayer de rationaliser tout ça, cumulé avec la crise, ça fait un gros coup de frein. Et maintenant en fait il faut qu'il y ait vraiment une démarche. Ok, je démarre, je fais une preuve de concept et ensuite je passe à une phase d'industrialisation et de déploiement de la solution. Mais je pense que c'est important parce qu'en plus, ça ne peut marcher que s'il y a un investissement aussi quelque part du groupe. Alors que si on n'est que sur de la recherche de subvention, finalement pour le groupe c'est assez facile. Mais quelque part, il n'a pas d'engagement non plus vis-à-vis de l'offreur de solution. Et quel est pour toi le manque ? Est-ce qu'il faudrait travailler sur une plateforme ou plutôt globale et industrialisée où on intègre des offres de solutions ou alors il faut qu'on redéveloppe l'offre intégrateur qui va créer cette connexion ? Parce que là, tu crées des programmes d'accompagnement, les collectivités font des aides et en tout cas font de l'information. Mais en fait, il manque la pierre au milieu de dire est-ce qu'il faut faire une plateforme, on va dire nationale ou territoriale, qui intégrerait les meilleures solutions et qui serait plus qu'une preuve de concept, mais qui serait une plateforme vraiment de production, ou alors aider les intégrateurs à aller piocher dans les pépites et pour qu'elles-mêmes proposent des solutions. En fait, c'est un mix de tout ça. Je pense que la démarche industrie-entreprise côté Made in Soft, c'est la bonne aussi, c'est-à-dire de définir finalement quels sont et ce qu'on fait avec Timor Refab, quels sont les besoins des industriels. Alors il y a des besoins où finalement on dit, ben, là l'offre elle est sur étagère, il suffit d'aller voir les offrants de solutions. Et puis après par contre, il y a des besoins où il y a du développement à réaliser. Il y a des étapes à franchir. Et dans ces cas-là, si effectivement ce besoin il est partagé, ben on monte un projet à plusieurs et on le finance à plusieurs industriels. Il faut aussi reconnaître qu'il y a quand même aussi un manque de ressources. Et donc, dès qu'on peut le faire à plusieurs, ben déjà, c'est un gage, on va dire, quelque part, qui permet de sécuriser le projet, d'en faire peut-être une solution plus pérenne par la suite parce que vous aurez plusieurs clients au final. Et donc ça, c'est malgré tout, c'est une solution. Et puis après, effectivement, tu l'as dit, les intégrateurs, il ne faut pas les oublier. Il faut aussi leur permettre de pouvoir intégrer des solutions de PME, de start-up. Des fois, c'est directement sur le plan capitalistique hein, quand ils intègrent, comme on l'a dit tout à l'heure avec Cartesia, et c'est très bien. Mais des fois, c'est juste intégrer une solution et travailler ponctuellement sur un projet avec une PME ou une start-up. Voilà, donc en fait, à mon avis, c'est plutôt un mix de l'ensemble qui va permettre d'avancer sur tous ces différents projets et faire qu'effectivement, on aura de plus en plus de dynamique sur les projets d'innovation dans ce domaine-là. Donc dans la première conférence, on parlait d'IoT, beaucoup de liaisons avec l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on transporte beaucoup de données hein, sur ces capteurs dont tu parlais, Patrick, tout à l'heure. Là, si on se projette dans un an, quelles sont pour vous un peu de se dire, voilà, dans un an, quand on refera notre événement, qu'est-ce que vous espérez
en termes autour de l'IoT, autour de l'industrie 4.0, quelle avancée on aura eu, en tout cas, que vous prévoyez à l'heure d'aujourd'hui? Déjà sur Made in Soft, sur la commission 4.0, on veut des vraies preuves de concept. Alors Stéphane a parlé tout à l'heure de POC, etc., de démonstrateurs, mais on veut du résultat. Donc on veut que dans un an, que ce soit les donneurs d'ordre, que ce soit les offreurs de solutions, bah les donneurs d'ordre, ils nous disent oui, vous avez répondu à nos besoins, ou c'est en cours, on est en train de développer une solution, ça fonctionne, etc. Et surtout, et je rejoins Steam Shop là-dessus, de dire en tant qu'offreur de solutions, on a réussi à intégrer des nouveaux marchés, on a réussi à intégrer des nouveaux business. Ça, c'est important pour nous. Faire de l'événementiel, etc., c'est bien sûr important. C'est important l'attractivité de notre territoire. Mais le résultat business, et ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est crucial. C'est la première chose. Aujourd'hui, on ne va pas faire rêver des offreurs de solutions par des subventions. On ne fait plus rêver comme ça. Il faut du business, il faut des marchés, il faut du concret. Donc, dans un an, j'espère qu'on aura des beaux résultats. En tout cas, c'est bien parti. Les grands industriels jouent le jeu puisqu'on a fait une belle première réunion là-dessus et ça avance très vite. On ne doute pas du tout de la capacité à se mobiliser de la part de nos offreurs de solutions du territoire. Et puis on a Praxis. Alors là, c'est Stéphane qui en parlera, mais la plateforme d'accélération, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est aidé par des subventions, hein, puisque c'est aussi le nerf de la guerre d'avoir de la trésorerie, de pouvoir avancer des fonds. Mais le but de cette plateforme d'accélération, c'est l'intégration à la fin. Donc oui, il y a de la sensibilisation, oui, il y a de l'expérimentation, il y a du test, mais ça peut être fait par ailleurs aussi. Par contre, la nouveauté, c'est l'intégration. Comment on va intégrer ces nouvelles technologies? Donc vraiment, dans un an, idéalement, ce qui serait bien, c'est qu'on ait des preuves de tout ça, du business, des nouveaux marchés et des cas concrets à montrer, des success stories de cette commission ou de la plateforme Praxis ou d'autres événements du territoire. Ouais, je pense que, enfin, elle l'a dit, dans un an, il faut que la plateforme elle soit opérationnelle, qu'on puisse sensibiliser les entreprises, les PME en particulier, les dirigeants d'entreprises, pour qu'ils puissent effectivement toucher du doigt, être sensibilisés sur l'ensemble du panel de ce qu'est l'industrie du futur. Ça peut être des nouveaux matériaux, ça peut être de l'économie d'énergie, de l'économie circulaire. Le déchet de l'un peut être la matière première de l'autre. C'est le travail aussi de Pitot. Sur tout ce qui est nouveaux procédés, on a pas mal d'imprimantes 3D sur le technocentre. Et il y a des applications dans le médical, dans l'industrie. On est en train de monter c'est pas l'objectif là d'aujourd'hui, mais un programme sur l'impression 3D dans le nucléaire. On a déposé dans le cadre de France Relance un projet de 12 millions d'euros où on fédère les 6 gros du nucléaire. Donc ce soit le CEA, EDF, Orano, Naval Group, Framatome et Technicatome pour un programme commun. Sur l'impression 3D. Donc derrière, ça va permettre d'accélérer effectivement tous les cas d'usage d'impression 3D dans le secteur du nucléaire. Il y a tout ce qui est robotique, cobotique, la réalité virtuelle, réalité augmentée, le lien effectivement entre les différents secteurs d'activité. Nous, on a une start-up qui est 3D Medlab qui travaille dans le médical sur l'impression 3D sur le technocentre. On a parlé effectivement d'Editag avec le lien avec l'art. Dans la réalité virtuelle, on peut parler du lien avec le gaming aussi, avec des entreprises qui sont dans le jeu, mais qui sont aussi qui sont aussi finalement sur tout ce qui est e-learning ou de la, des formations en utilisant les casques de réalité virtuelle. Donc il y a plein de passerelles possibles avec d'autres secteurs d'activité, d'autres filières. Et le but, c'est qu'effectivement, ce soit connu des industriels et de manière à ce qu'ils puissent ensuite intégrer ces technologies, encore une fois, pour être plus productif, pour être plus compétitif et rentrer dans un cercle vertueux, finalement, pour dégager de la marge et pour pouvoir réinvestir ensuite dans leur entreprise. Et en termes d'offreurs de solutions, d'intégrateurs, vous êtes toujours à la recherche de pépites, j'imagine, qu'elles soient locales, nationales ou internationales, ce que vous disiez plus tôt, il n'y a pas de sectorisation territoriale.
En tout cas, sur la commission 4.0 de Made in Soft, on va être plutôt là pour pousser la région, pour pousser les offreurs de solutions de la région. Timor Ifabre, c'est pareil, c'est une vocation d'aider. On est un projet de territoire de développement de la métropole Aix-Marseille et de la région sud. Donc, c'est important que ce soit des structures qui soient présentes ici. Maintenant, si la compétence n'existe pas, le but, c'est d'aller la chercher ailleurs. Donc, il y a une très grosse veille de la part des équipes de team, notamment, et grâce aussi au pôle de compétitivité qui est réalisé. Le but, c'est d'aller chercher aussi des compétences qui soient françaises ou qui soient aussi à l'international quand elles n'existent pas. Donc on peut faire passer le message, s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont envie d'investir dans l'industrie 4.0 et qui sont des offreurs de solutions innovantes, de vous contacter. Oui, et sur la plateforme ensuite, sur Praxis, c'est-à-dire qu'on a déjà des partenaires qui veulent pouvoir, sur la plateforme, présenter leur solution. Et on est encore à la recherche aussi de partenaires pour pouvoir présenter des nouvelles solutions aux industriels. Voilà. Est-ce qu'il y a des types de solutions que vous n'avez pas encore dans le catalogue qui vraiment vous dites il faudrait les avoir ceux-là ? Ou il y a un peu de tout ? Non, en fait, on a déjà un peu de tout, mais on a toujours une solution qu'on ne connaît pas ou qu'on découvre et qui a du coup un intérêt particulier pour l'industrie. Et donc, en fait, elles sont toutes bienvenues parce qu'elles apportent toutes quelque chose, finalement, à partir du moment, bien sûr, où on est en lien avec l'industrie, puisque là, nous, on ne travaille bien que sûr. Pour des sujets de développement de l'industrie du futur. Dominique est à distance toujours. Quel serait ton rêve dans un an, en dehors de plus avoir des subventions et avoir du business? C'est primordial. Moi, je crois que les structures, elles sont là. On le voit avec Timor Ifabre. C'est bien structuré, c'est une bonne idée. Ça, il y a une vraie volonté avec une quelque chose de dynamique. Après, c'est un problème de mentalité. Et ça, moi, je le ressens beaucoup parce que l'année dernière, on a créé une filiale avec le soutien de Business France. On a créé une filiale à Singapour pour pouvoir échapper un peu au marasme européen. Et grand bien nous en a pris parce que là-bas, ça s'est pas arrêté. Et il y a une dynamique différente par rapport aux entreprises qui sont là pour nous aider, pour trouver des solutions avec nous, pas seulement pour être consommateurs d'innovation. Et ça, je trouve que c'est un problème de mentalité en France où on a tendance à nous poser la question « Mais vous l'avez fait avec qui et ça a donné quoi ?» Bah non, on innove, donc voilà, on va chercher ensemble. Et ils ont tendance à voir ça comme un coût, alors que c'est avant tout un investissement, alors certes parfois un peu risqué, parce qu'on n'est pas toujours capable de trouver la bonne solution, mais c'est un investissement pour s'améliorer, pour apporter des meilleurs procédés, pour être plus compétitif, et il faudrait que cette mentalité aille vers ça, ce qui n'est pas facile à faire changer. Qu'est-ce que tu proposes alors pour faire ça? Parce que toi qui as une vision Asie-Europe, parce que ça aussi, c'est toujours trivial de le dire, hein, mais on a un système de formation à la française, des éducations en grand groupe, avec des services achats. Il ne faut pas copier. Voilà. Ça, moi, il ne faut pas copier, c'est terrible. Hein. Non, il faut copier d'abord. Voilà. Après, on invente, mais d'abord, on copie. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer, que ce soit à la Coque ou ailleurs, sur le territoire d'Istres ou n'importe où, pour aider à ce changement de mentalité, alors, même s'il y a des nouvelles générations qui arrivent et qui sont en train de changer un peu les modes de fonctionnement. Mais bon, les achats, avant que ça change, ça va être un peu plus long. Oui. Je pense qu'il faut... Il y a les anglo-saxons ou les asiatiques, on ne dit pas prendre un risque, on dit take a chance. Voilà, et ça, c'est important. Ça veut dire qu'il faudrait pouvoir passer le message que quand on innove, ça n'est pas un coût, c'est un investissement. Et oui, on prend un risque, mais surtout, on a une chance de trouver quelque chose qui soit bénéfique et qui va se déployer et se développer. Et ça, à mon avis, ça passe par le bâton de pèlerin qui va porter la bonne parole et puis les succès, pouvoir faire rayonner les succès qu'on a pu avoir et pour être des bons exemples et que les gens aient envie d'adhérer à ça. Mais ça va être long.
Oui, ça va être long. Après, il y a un an, on ne pensait pas utiliser autant le numérique. Donc, il y a des épisodes qui font que la vie change, mais je suis d'accord avec toi. Oui, c'est un peu violent quand même. C'est vrai que c'est un peu violent. Mais ceux qui travaillent, notamment des gens qui s'appellent Zoom, je pense qu'ils ont été très contents de cette crise. Ils ont gagné quelques années. Mais bon, évidemment, on ne souhaite pas ça. Il faut qu'on y travaille tous. Hein. Je pense qu'aussi dans les événements, quand on parle des sujets, il faut que ce soit des sujets qu'on aborde. C'est vrai que malheureusement, les entreprises raisonnent souvent l'investissement comme un centre de coût et pas comme un centre de profit. Et notamment en termes d'innovation. Hein. On est là pour gagner du temps, gagner de l'argent. La digitalisation est là pour que l'homme se concentre sur de la valeur ajoutée et plus sur de l'abattage. Et l'industrialisation, au bon sens du terme. Voilà, c'est peut-être des sujets qu'il faut que dans nos prochains événements, quels que soient les écosystèmes et les structures, on puisse avoir des ateliers de comment transformer ça en centre de profit et en tech change, et plutôt que prendre un risque en français. Je ne sais pas si c'est des sujets que vous... C'est une excellente idée. Je pense qu'on pourra faire ce sujet-là sur le prochain Morning Café. Mais oui, c'est primordial. Il faut innover, il faut oser, il faut franchir les étapes. Il faut le voir comme un investissement profitable pour la suite plutôt qu'une dépense en one shot. Toi, Patrick, qui a donc ton passé industriel et qui est maintenant dans une collectivité qui est là pour aider à ce que l'économie se développe, hein. Entre Istres et les territoires autour, c'est vrai que la frontière entre les gens qui habitent, les gens qui travaillent, c'est assez compliqué là-bas. Les frontières n'est pas aussi facile que ça. Quelles sont pour toi, tes envies dans les prochains mois, dans la prochaine année, que la ville d'Istres puisse faire, mais aussi comment les industries autour de ton territoire. Moi, les envies, c'est que la politique publique qu'on a décidé de mettre en place par rapport à l'innovation numérique et par rapport au développement économique, effectivement, se mette en place d'ici un an. Donc, on démarre notre structure, qu'on y fasse peut-être d'ici un an un premier événement spécifique sur l'industrie 4.0 et tourné vers les industriels de notre territoire. En leur faisant passer ce message de take a chance plutôt que prendre un risque. Donc c'est peut-être la nouvelle devise qu'il faudra mettre en avant, hein, parce que c'est un changement de mentalité et de vision du sujet. Donc nous, on va essayer de faire le maximum pour dynamiser cette démarche, jouer un peu le rôle de catalyseur, hein, puisque moi je suis chimiste de formation, et avoir un rôle peut-être un petit peu innovant en termes de collectivité publique au niveau d'une mairie, qui est de jouer ce rôle vraiment de moteur au niveau du développement économique de notre territoire. Bon, on a la chance d'avoir sur le territoire d'Istres le pôle aéronautique Jean Sarail, qui est un outil de plateforme économique qui va, j'espère, se développer dans les prochains mois, les prochaines années, hein, en accueillant de nouveaux acteurs économiques sur le territoire. On a la chance d'avoir cette structure qui va exister dans le centre-ville. On a aussi une grosse expérimentation avec le village AFPA qui se met en place donc au sud de la ville, qui est la relance de l'ancien centre AFPA sous forme d'un tiers-lieu collaboratif pour la sécurisation des parcours de professionnalisation des personnes éloignées de l'emploi, avec la volonté justement de les orienter vers les secteurs en tension, et en particulier l'industrie qui a beaucoup de difficultés à recruter en ce moment. Donc on va avoir ces trois beaux outils sur la ville. C'est assez exceptionnel sur une ville de 45 000 habitants d'avoir cette volonté politique de développer autant l'activité économique que l'emploi, puisque les deux vont ensemble, bien évidemment. Et donc, moi, mon souhait, c'est que dans la prochaine année, ces trois activités se mettent en route, se développent, rentrent dans leur régime de croisière, et que dans les prochaines années, on en retire tout le bénéfice au niveau de la commune, pas seulement, mais plus largement au niveau de la région, pour les acteurs économiques de la région. Merci Patrick, merci tout le monde. Ça a été assez riche, avec des échanges assez large. Merci Dominique pour cette nouvelle devise qu'on va essayer d'appliquer sur des prochains événements. Et c'est vrai que c'est une véritable bonne idée. Moi, je lutte depuis des années, hein, je viens du monde des télécoms, hein, donc
Donc j'étais plutôt un centre de coût qu'un centre de profit, alors qu'on aidait les gens en mobilité. Et on a quand même changé notre vie depuis qu'on a un téléphone. Hein. On arrive à travailler et à ne pas attendre les fax au bureau. Donc ça a quand même changé pas mal de choses. On n'ira pas jusqu'au smartphone maintenant. Voilà, ça a bien changé, peut-être trop par moment. Il y a d'autres excès. Le sujet est vaste, hein, la Smart Industry. Je pense qu'on pourrait, rester des heures et des heures, faire des focus sur des sujets. On se rend compte que c'est toute l'industrie, et notamment avec la crise qu'on a vécue, qu'il y a une vraie révolution et puis une vraie prise de conscience de réindustrialisation. Et puis le fait d'avoir développé beaucoup d'ingénieurs, formés et autres, on a aussi une véritable chance en France de pouvoir revenir sur le marché de l'industrie avec cette industrie 4.0. Alors que bon, sur l'industrie traditionnelle, on l'avait plutôt abandonné. Donc plein de perspectives. On espère que dans un an, on aura plein de beaux sujets en termes de bilan et puis même en termes de perspectives. Parce qu'on espère tous qu'on ait une véritable accélération avec l'année qu'on a connue à partir de septembre. Vous dire aussi que à 13h, il y aura un atelier sur la cybersécurité. Alors là, pour une fois, ce ne sera pas sur la partie technique, mais sur la partie, on va dire, plus contractuelle et judiciaire, d'avoir des bons documents aussi. Parce que mettre en place des outils, c'est une chose, mais il y a aussi un côté juridique hyper important. Alors, on ne gère pas que des machines dans l'IoT, hein, il y a des êtres humains qui gèrent des données. Et même si on commence à mettre la technique, on oublie, notamment quand on parle de RGPD, les objets connectés, ce n'est pas forcément des sujets traités tout de suite par la RGPD. Donc on aura Alexandra Barbaris qui est avocate et qui est vice-présidente du CLUSIR entre 13h et 14h. Et puis on reprendra à 14h les conférences avec la Smart City. On aura encore la chance d'avoir un interlocuteur de la ville d'Istres, hein, qui sont très innovants. Et on le voit, les prochains mois seront encore plus. Et on aura vraiment un focus global du territoire. On aura la ville, la métropole, la ville d'Istres. On aura après dans un atelier plus tard Aix, on aura la ville de Marseille, on aura la Wallonie qui nous expliquera aussi, la Belgique est très avancée sur tout ce qui est Smart City, et on aura des acteurs dont Soprasteria qui nous donnera des visions globales plus des acteurs spécifiques. Donc merci pour cette conférence et puis à tout à l'heure et bon appétit pour ceux qui mangent à distance ou ici.